responsabilités sont grandes. C'est bien ça mon souci avec mon fils. C'est que je lui dis qu'il faut marcher vraiment dans la justice, être quelqu'un de bien. Maman, il va copier ce qu'il va avoir autour de lui. C'est ça. Bon, on va prier. Seigneur Père éternel, nous voulons vraiment bénir ton saint nom encore et te rendre grâce parce que tu es Dieu. Merci infiniment, Seigneur Père, pour ce jour que tu as mis à part, Seigneur Dieu. Et toi-même, tu nous as invités, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à découvrir le plan que tu avais prévu déjà, Seigneur, bien avant la fin du monde, la fin de la création même, Seigneur Père, de ce monde. Tu avais prévu ce jour, Seigneur Père éternel, ce jour où tu conduirais nos trois sœurs, Seigneur Père éternel, dans les eaux du baptême, Seigneur Dieu, afin de les introduire dans ta famille, Seigneur Père, celle que tu t'es constituée au prix de ton sang versé à la croix, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, vraiment, nous bénissons ton saint nom, parce que c'est un privilège pour nous d'être participants, Seigneur Dieu, encore, Seigneur Père, à la manifestation de ta victoire à Golgotha. Père, parce que c'est cela même encore qui va retentir aujourd'hui dans la vie de nos trois sœurs, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom, parce que tu libères encore, parce que Seigneur Père, tu viens encore attirer à toi, Seigneur Père. Tu viens encore ramener des âmes, Seigneur Père éternel, dans le royaume. Nous te bénissons parce que ton Saint-Esprit, 2000 ans plus tard, est toujours en action, Seigneur Père. Béni sois-tu encore. Continue encore à sauver. Qu'au travers, Seigneur Père, du témoignage de nos trois sœurs, que de nombreuses âmes encore puissent être attirées à toi, Seigneur Père éternel. Puissent venir prendre leur place dans l'arche, Seigneur Père. Car nous savons que nous nous approchons de la fin des temps et que la porte de l'arche, Seigneur Père, va bientôt être fermée. Père, que de nombreuses personnes encore, Seigneur Père, puissent venir et recevoir, Seigneur Père, la paix en Jésus. Car en dehors de toi, Seigneur Dieu, ce n'est que la mort. En toi, Seigneur Père, est la lumière, est la vie, Seigneur Père. Merci parce que tu es descendu encore pour éclairer les hommes, Seigneur Père. Que beaucoup acceptent encore cette lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin d'être libérés de toute chaîne, Seigneur Père. Car nous savons qu'en dehors de toi, Seigneur, que la mort. Père éternel, merci encore de prendre le contrôle de ces moments, Seigneur Père, dans tous les détails, Seigneur Père, que tu sois vraiment le dirigeant. Donne-nous encore d'être attentifs à la voix de ton esprit, Seigneur Père, pour marcher exactement dans ce que tu as prévu pour ce jour, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette maison qui nous accueille. Que ta paix puisse y demeurer. Car tu nous dis dans ta parole qu'en quelques maisons où vous entrez, si on vous y reçoit, laissez-y votre paix, Seigneur Père. Amen. Père, merci infiniment pour ce que tu as déjà commencé à accomplir dans cette maison et pour tout ce que tu accompliras encore. Nous te prions aussi pour la maison de notre sœur, Seigneur Père Nadia, à côté. Que ta paix également puisse y régner et que vraiment, Seigneur Père, la puissance de ton esprit agisse, Seigneur Père, et continue à agir dans cette maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause de ton nom qui est invoqué dans la vie de notre sœur. Père, nous te prions aussi pour notre sœur Janice. Père, que ta main puissante continue à agir, Seigneur Père, dans sa vie et à toucher son entourage. Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange.
Ah!
Seigneur, tu nous as dit que nous étions ténèbres. Tu nous donnes encore la possibilité, ô Père, de nous rapprocher de toi. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es venu établir ton règne, Seigneur, dans les cœurs de nos sœurs. Ô Père éternel, tu les as appelés à toi. Amen. Ton fils Jésus nous a dit que nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Père, nous savons et nous avons cette conviction que tu les as attirés. Père, viens donc et travaille puissamment, Seigneur, dans chacune de leurs vies. Alléluia. Afin que, Seigneur, ces personnes qu'elles étaient hier, Seigneur, qu'elles deviennent vraiment de nouvelles créations. Amen. Et que ceux qui les ont connus hier, Seigneur, voient une véritable transformation dans chacune de leurs vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu as prévu ce jour depuis la fondation du monde. Amen. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous déplacer de là où nous étions pour cette communion fraternelle. Alléluia. Oh Père éternel. Nous les voyons, Seigneur, de manière virtuelle. Aujourd'hui, tu permets que nous soyons vraiment physiquement ensemble. Alléluia. Tel que ton fils Jésus était avec ses disciples, amen, ses apôtres. Seigneur. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons de ce gloire que tu as toutes choses possibles. Seigneur, Père, merci. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous alléluia, permets Seigneur, de passer Père. Ensemble. Gloire viens toi-même conduire toutes choses du début Seigneur. Jusqu'à la fin. Merci, oh Père, Père éternel, regarde ces enfants qui sont autour de nous. Alléluia. Père, nous savons que toi-même tu nous as dit montrer aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Alléluia. Afin qu'ils ne s'en détournent pas lorsqu'ils seront grands. Amen. Père, voici ce modèle que tu nous as laissé alléluia. Sur la terre. Père, permets gloire. Qu'ils aient des yeux pour voir, Seigneur, amen, ce que Seigneur, toi-même Père. Tu es en train d'accomplir alléluia. Dans la vie de chacune de leurs mamans. Amen, Père éternel, viens agir dans la vie de chacun de ces enfants. Alléluia, Père, nous Seigneur. Te présentons le cas de David. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu connais oh, toutes choses, tu Seigneur. Sais toutes choses. Viens agir dans alléluia, la vie de cet enfant, Seigneur, Père, afin que ce jour, Seigneur, soit un oh, jour inoubliable dans amen, cette Seigneur, famille. Père. Seigneur, qu'il y ait une véritable transformation, alléluia, non Seigneur. Seulement physique dans la vie de David, alléluia, mais Père. Aussi spirituelle. Amen, oh Seigneur, Seigneur Dieu, tu sais toutes choses. Gloire tu toi, sais Seigneur, d'où Père. Vient, Seigneur, ce manquement dans oh, sa vie. Jésus. Tu sais d'où vient cet handicap alléluia, dans sa vie. Seigneur, Seigneur Dieu, rien n'est impossible à alléluia, toi. Père. Viens et agis. Viens merci, transformer. Viens purifier son alléluia, corps, viens purifier Seigneur, son âme, viens agir puissamment oui, dans la vie Seigneur, de David. Père. Seigneur, de sorte que toute ténèbre puisse sortir, Seigneur, au nom que de ta Jésus. Lumière vienne alléluia, agir Père. Dans la vie de David. Gloire à Seigneur, toi, Seigneur, que aujourd'hui Père. Même, Seigneur, merci, cet enfant Seigneur. Soit transformé, amen. Qu'il soit délivré, Seigneur, alléluia, toute chaîne, Seigneur, de toute puissance et de ténèbres. Agis dans la vie de David. Alléluia, Seigneur, que cela soit ôté au nom de au Jésus. Nom que de les ténèbres soient dissipées dans sa vie. Seigneur, oh Seigneur, que ta main puissante alléluia, repose sur cet enfant. Père. Oh Père, merci, regarde Seigneur. Cet enfant qui souffre de alléluia, cette épilepsie. Seigneur, Père, je te prie, alléluia, afin que dans Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, oh, Seigneur, que tu agisses dans cet enfant. Alléluia, Père, Seigneur. Viens dissiper toute ténèbre. Oh, agis dans sa vie. Jésus. Oh Seigneur Dieu, oh, que Jésus. Leurs parents puissent témoigner alléluia. De leur propre bouche. Alléluia. Seigneur, que tu as transformé toutes choses. Que tu as agi. Alléluia. Viens, Père. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Béni sois merci Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Que Père. Toute la gloire te soit. Alléluia. Au nom, Père. Au nom de Jésus. Épilepsie, maintenant tu entends la voix du Seigneur qui parle. Au nom de Jésus, libère maintenant au cet nom enfant. De Jésus. Que cet enfant reçoive maintenant la guérison. Que la paix de Jésus vienne dans ce corps. Et qu'il soit pur totalement. Oh Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce que tu accomplis maintenant dans la vie de cet enfant. Merci parce que tu le purifies, Seigneur Père, de toute maladie.
de toute infirmité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu as créé l'homme à ton image, Père, accomplis cela maintenant dans la vie de cet enfant. Et nous te bénissons à cause de ton nom, Seigneur Père, qui est invoqué dans la vie de sa maman. Merci, Seigneur Père, pour la gloire, la grâce, Seigneur Père, que tu accomplis pour sa délivrance maintenant, Seigneur Père, afin que de nombreuses âmes se tournent encore vers toi pour le témoignage, Seigneur Père, de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. M'élève, m'élève tes louanges. Car ta bonté vaut mieux la vie. Car ta bonté. Thank you.
Thank you.
Sauveur, mon Dieu, en Jésus, mon Sauveur.